Je suis gérant de deux entreprises, l'entreprise CDA Développement qui fait de l'injection plastique et la société Ardatec qui fabrique les moules pour l'injection plastique. C'est très récent, ça fait un mois que j'ai pris mes fonctions. Il faut savoir que le processus de reprise d'entreprise, c'est un processus qui est assez long, hein, qui a duré plus de 12 mois hein, pour mon cas précis. J'ai cédé l'entreprise, c'est pour partir à la retraite, tout simplement, tout gentiment. Et puis, il fallait aussi la responsabilité morale des salariés, il fallait en penser à la suite. Et donc, il fallait en même temps trouver un repreneur qui ait envie de continuer, qui nous convienne aussi. Donc, il y a eu un choix de fait. Il fallait les connaissances techniques, donc aussi bien en matière plastique qu'en mécanique, des qualités de gestion et puis des qualités humaines. Il fallait un petit peu, c'était tout ça qu'il fallait en même temps. Pourquoi j'ai concouru au concours Créa Vienne ? Il y a trois raisons. La première raison, c'est structurer le projet. La deuxième raison, c'est partager ce projet-là. Et la troisième raison, c'est déployer pour le mettre en action. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à reprendre. Malheureusement, pour des raisons, on va dire, propres aux cédants ou aux repreneurs ou aux institutions, il y a des entreprises qui ne sont pas reprises. Et donc, c'est de la valeur ajoutée qui va disparaître et des emplois, on va dire, là-dessus. Je crois que c'est important qu'on prenne conscience au plus haut niveau qu'il y a des enjeux qui sont importants et pas simplement les créations d'entreprises.